Ouais, bonjour à tous, c'est Recascran et Marvel Boy pour encore un test de X-Men Next Dimension. Et c'est édité par Activision, développé par Paradox. Tais-toi. Paradox Development, c'est un jeu de combat sorti en France le 22 novembre 2002. Et c'est déconseillé au moins de 12 ans. Excusez pour la précédente vidéo. Ah bah. Marvel Boy a passé 15 minutes à vous parler des personnages. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il fallait bien que ça m'arrive. Non, c'est bon. En fait. J'ai pas bougé pendant un certain moment et donc il y a un mode démo qui s'est enclenché, donc là il y a un combat entre le fauve et Jean Grey. Ça fait même pas une minute. C'est quoi ce truc? J'y peux rien, hein. Les développeurs ils s'étaient dit tiens si... Pendant le jeu tu fais tomber ta manette, tant que tu la ramasses t'as la démo. Bah oui, il faut croire. Bref, je voulais vous montrer, je voulais un peu plus parler de mon test cette fois-ci. Et d'ailleurs au tout début je voulais saluer... Kescrane? Merci. Non, toi je te salue pas. Bref, attends. Bref, je voulais saluer Sonic KO, Az ou Zorg et Dark Slayer -2009 du forum de Marvel vs Capcom 3 sur un site dont je ne citerai pas le nom. Je salue aussi le bruitage bizarre. Et je salue parce que ça fait depuis longtemps qu'on se connaît et tout, et je raconte un peu ma vie. Ah, et sinon, ce sont vraiment des. Je félicite. Je salue vraiment ces grands fans de Marvel. Ah, tu peux saluer un jour. Et donc, c'est sûr. Et voilà. Donc, merci de m'accompagner jusqu'à ma dernière croisade. Graphiquement, ça veut rien dire ce que j'ai. Graphiquement, c'est en retard. Hein. Ah ouais, quand même, on voit. 2002 2002. Un an avant le premier Rayman. Rayman 3, pardon. Regardez-moi ça, les visages des persos. On dirait Virus. Mais c'est quoi ça? Et le pire, c'est que. T'as la bande son. Le jeu est en anglais. Et alors, je voulais parler dans mon test. Alors, j'ai pas sous la main ton test, alors les notes, je connais. Alors, dans mon test, je disais que les voix étaient vraiment bizarres. Vraiment. Nul, hein, c'est nul. Wolverine, encore, ça va. Mais alors, il y en a d'autres. Regarde-moi ça, c'est quoi ça? Oh là là. J'avais oublié ça. Tiens, bah tiens, une sentinelle. On dirait Tron. J'avais oublié. Et t'as du jambon tout à l'heure. Bastion. Bref, Bastion. Donc j'ai lancé le mode histoire. Il y a une tête sur un machine. C'est dégueulasse ton truc. Oh là là. Bah que de vitesse. Iron Man. il a tourné sans bouger. La lune elle est bien faite, on dirait une vraie lune. Je suis sûr ils ont pris la photo, ils peuvent coller un peu la lune. Oh là là, t'es pas mort. Attends, il me semble. Tiens, l'homme aux lunettes noires. Il te ressemble. Mais tout le monde me ressemble. Eric Magnus Lancher. Ok, Manido. Pardon. Je sais pas qui était aussi musclé. Il y a quel âge les persos? 70. Et comment c'est qu'il est aussi musclé? Je sais pas. Non, il a le même casque que dans X-Men le commencement en fait. Je précise. Bref, j'ai choisi le mode histoire pour vous montrer qu'en fait c'est une histoire. Pourquoi il a la peau grise? Tu peux me laisser finir? Mais c'est quoi ça? C'est Magneto. Il a la peau grise. C'est pas comme ça dans les. Ah, par contre, je me souvenais pas que. Il utilise la force. Dark Vador. Tu peux me laisser parler? T'as les yeux jaunes. Attends, il faut que je finisse. Attends, mais c'est en retard ton truc. Ah, c'est bon, vieux jeu. Regarde-moi ça. Ah, c'est obsolète. Ah, mystique. Oh, elle est belle. Miam, miam, miam. Je prends du régal. C'est la schtroumpfette. Je prends du plaisir, pardon. C'est la schtroumpfette. Je prends du régal, ça va. Une feuille de papier. Bref. Une minute de silence pour la feuille de papier. Bon, t'as fini de parler, là? Bref, j'ai voulu montrer le mode histoire. Mais mon dieu, mais regarde-moi ça. Tu peux me laisser finir? Oui. Tiens, Anthony Stark. Regarde. Warren, Worthington, Peter Parker. Ils sont tous morts? Attention. Non. Et regarde. Et là, Benjamin Grimm. Donc des caméos à plusieurs personnages. Anthony Stark. Laisse-moi finir. C'est qui Benjamin Grimm déjà? Alors, nous avons Anthony Stark qui est Iron Man. Warren Worthington, Angel ou Archangel. Oula, comme il court, c'est bien. Peter Parker, Spider-Man et Benjamin Grimm, la chose. Donc un petit caméo. C'est quoi le truc derrière là? C'est la salle des dangers. Et là, c'est fort. C'était Robocop. Putain, c'est vrai qu'il court. J'aime les animations. C'est bien fait. Honnêtement, les animations, j'adore. Bref, les voix sont un peu, pour certains personnages, parfois merdiques. Pas mal sur les meilleurs graphismes. La mise en. L'histoire là, la cinématique, c'est beaucoup. Mais Diablo n'est pas allié avec Mystique. C'est fait là. Tu verras. Bon, alors premier combat, toujours les premières émotions. Hein. C'est comme un premier rendez-vous galant. C'est d'ailleurs caméo. Ça, c'est ça. Ça te ressemble les Sentinelles dans le comics. C'est grand. Oui, c'est aussi grand. Wow.
Bref, bah que dire. Donc, premier combat, premières émotions. Donc, et voilà. Donc alors la campagne qui est obligée de se boucler en une heure parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde. Et c'est long le chargement. Ouais, c'est long hein. T'as le temps de tout faire avec ça, tu vois, tu peux te brosser les dents, aller aux toilettes, lire un comics. Là, depuis le début du chargement, j'aurais le temps d'aller au chat manger un sandwich. Invasion des sentinelles, 21h35. Bref. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, moi j'aime bien le canon et autre chose. Ouh. Ah, j'aime bien tout ce que je vois. Ouh. Et toi? Mais je suis qui un peu? Je suis Forge. Merde. C'est lui qui saute? Ouais. Ah, une claque. Ah, j'avais oublié que c'était aussi long. Alors, je voulais citer. Enfin, je voulais tes notes maintenant un peu. Attends, je voulais d'abord dire, ça fait depuis extrêmement longtemps que j'ai pas joué au jeu. 2 semaines. T'es pas un peu entraîné avant de faire la vidéo? Même pas. Voilà. Donc, je voulais dire, j'ai mis 10 sur 20 pour le scénario. Parce qu'honnêtement, c'est une histoire typique, hein. Une méchante sentinelle qui veut tuer les mutants. Après, il y a une alliance entre la confrérie et des. Même pas besoin de spoiler, tu vois, parce que c'est typique. Hein. Alors attends, je vais essayer de faire un super coup. Graphisme. Oh putain. T'as mis combien en graphisme? Ah bah tiens. Voilà, bref. Graphisme, j'ai dû mettre 12 sur 20, voire peut-être 9. Non, je crois 9 sur 20. 9, ouais. Je sais plus. Bref. Il mérite 9, hein. Encore qu'il était sympa. Ouais, non, mais parce que j'ai eu énormément de nostalgie avec ce jeu. Et pourquoi est-ce qu'il revient pour en faire un deuxième perso? La mise en scène, alors Diablo, vraiment, il a vraiment une voix de Tarlouse. J'ai rien à... Regardez ses pieds, on dirait qu'il a des talons. Ah, j'adore le... Tu vois le coup qu'il vient de faire là? Les musiques, enfin, bande son, t'as mis combien? Je crois que j'ai même pas la moyenne, 9, un truc comme ça. C'est vraiment hardcore la bande son. Les musiques c'est tout le temps les mêmes, elles deviennent emmerdantes à la fin. Les voix, alors il y a celle de Cyclope encore, ça va, je tolère. Parce que c'est bien sûr c'est Cyclope. Ensuite. Tu fais doser. Je sais pas, moi, après la voix des autres personnages, Wolverine elle est assez bien. Les bruitages, comme j'ai. Je sais pas si vous avez pu entendre, mais dans le menu, c'est des bruitages tout bizarres, on dirait des vieux téléphones. C'est quoi ça, des coups de pied, de... En fait c'est une sorte de coup. Tu vois, t'attrapes le bonhomme et après avec il fait. J'essaie de l'achever. Il y a des touches aussi, je sais pas à quoi elles servent. Pourquoi il rigole, hein. Regarde, j'appuie sur L1 et après on voit écrit carré, triangle et tout. Je veux bien. Oh le croche-pote. Oh c'est vilain ça. Tu vois, j'appuie. Il y a des coups qui sont assez. Il y a des touches qui sont assez inutiles, je trouve. Est-ce que les décors sont destructibles comme... Ah, ça c'est justement. Je voulais en parler. Il y a des décors destructibles. Et d'ailleurs, les animations où les décors sont détruits, bon, c'est sûr que tu vas dire que c'est nul, mais je trouve ça vraiment génial. Il y a attends, ah bah bien sûr, je vais prendre Cyclope. Mon Cyclope à moi. Parce que Wolverine, il a une seule tête. Oui. J'ai cette cinématique ou pas? Charles Xavier. Ouais, Charles Xavier, donc c'était la seule. X-Men. Bravo, petit caméo. Donc les X-Men et Charles Xavier avec son fauteuil roulant du futur. Well done, X-Men. Écoutez la bande-son. Regarde-moi les têtes. La voix de Charles, elle est plus... C'est vrai qu'on dirait Hitman. La voix de Charles, elle est plutôt bien en fait. Là, il est non, encore Wolverine. Hein. Oula, Hitman, c'est beaucoup mieux. Elle est grand... il est petit, Wolverine. La différence, c'est qu'Hitman, c'est un bon jeu, ça c'est nul. Ma tête. Oh. Regarde ça. C'est pas ce jeu. Non, Charles, il est bien fait. Arrêtez, ouais. Cyclope, there's a storm. Come in. Jouabilité, t'as mis combien? J'ai mis 15. Ah bah, la meilleure note, c'est quand même. Non, non. La meilleure note, c'est... J'ai mis 19 sur la durée de vie. J'ai mis 19 sur la durée de vie, oui, je suis désolé. Bah, je trouve, j'ai passé des heures avec Fluid Nemesis. Donc, je salue aussi Fluid Nemesis. Et. C'est un ami à moi. Et avec un autre ami, j'ai passé des heures et des heures. Et donc. Et je me suis jamais lassé. On faisait souvent arcade ou survie. Ou alors des modes versus. Pour essayer de débloquer des costumes et tout ça. Et alors l'histoire, ça se finit en une heure. Et en tout, t'avais combien de notes générales? 14 sur 20. Au début, je voulais mettre 13. Mais bon, allez, comme je suis gentil. C'est une faiblesse. Scott n'est pas galant, parce qu'il tape une fille. Pourquoi elle a un string Elle a toujours été comme ça, au même dans les films. Même parfois, elle a été nue dans les comics. Alors, bon, on voyait pas ses parties intimes.
Elle est dans les films, elle est un casting. Non, dans les films. T'as jamais vu les films X-Men? C'est difficile, mais je me souviens pas trop. Le dernier, je me souviens, c'est X-Men Origins Wolverine. Bref, bon, bah. Attends, j'ai bien envie de finir sur ça. Bon, alors aussi, je voulais dire, souvent il faut qu'on regarde les coups. Et pour savoir les gros coups, justement. Donc, alors, je vais faire comme ça, moi. C'est tout? Oh non, j'ai les boules. Et je mange les balles. C'est quoi? Ah non, ils disent pas pourquoi tu te déplaces d'un coup dans une arène de gladiateurs. Parce qu'on est dans la salle des dangers. La salle des dangers, elle peut prendre l'apparence de n'importe quel environnement. Pourquoi il arrive en courant? Parce que c'est qui le gars derrière sur son chariot? C'est le pop. Mais c'est quoi ça? Le pop, allô? Ouais. Bref. J'aurais bien voulu montrer les costumes, donc je laisse ça pour la troisième vidéo. Et, trois? Non, troisième. T'as vu, elle fait ça à son chéri. Bah toi, tu t'aimes pas, hein. J'aime Jean Grey, je suis amoureux de Jean Grey. Mais c'est qui le gars derrière, là, son chariot? C'est un squelette, en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il passe en roue comme ça? Tiens, Jean Grey, elle a failli faire une technique, je crois, où elle inverse les touches. Oh. Non, honnêtement, t'es obligé d'avant de pour comme avancer. Dans Qui faisait ça dans Rayman? Dans Rayman 1. Ah ouais. oui, je me souviens. Contre-attaque. Mister Dark est dans les dans derniers. Joli, ma belle. Là, ça va faire, chérie. Tu vas arrêter. Quoi? Je l'aime. Je suis amoureux d'elle. Ou je me prends là. Ah, je ne peux pas la battre. Mais bon, c'est pas la raison, allez. Ah. C'est qu'un jeu vidéo. Hein. Hyper Charging Star. Référence, J'aime bien, tu dis ça parce que Caméo à Captain America. Mais celle d'avant, tu t'es pas gêné pour la défoncer. Qui, Mystique? Oui. Ah non, ah, Tornade. Ah non, ouais. Bah non, parce que... Aïe. Non, parce que je préfère Jean Grey, elle est plus jolie. Allez, oh. Les combats sont un peu lents, hein. Ouais. Ah, j'aime bien ça. Moi, j'aime pas. Mes coups préférés, c'est ceux où tu utilises celui-là, rien. Parce que tu utilises le laser. Alors aussi, petit merci à toi Sonic Chao de m'avoir dévoilé ça parce que je ne savais même pas avant 3 ans. Ça c'est ma manette qui bug. Non, j'ai pas envie de continuer, on va s'arrêter là bientôt. Merci à toi de m'avoir dit qu'il y avait plusieurs fins disponibles pour le jeu. Et c'est vrai que je les ai découvert aussi. Et donc si on finit le jeu en battant un monsieur à la fin d'une telle manière ou d'une autre, eh ben on débloque des fins alternatives. Bref, ça rallonge un peu la durée de vie. Et puis c'est tout. Et attends, je la refais encore. Je fais une petite dédicace à Dark Slayer, Az et Sonic Chao. Bah voilà, comme ça. Parce que je l'avais mal fait au tout début. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Allez, n'oubliez pas de regarder la troisième vidéo. La troisième et dernière, j'espère. Si, ils ont envie. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis ben bye bye. Et belle cinématique. Waouh. Sur ces le graphisme bizarre qu'on se quitte. Ouais. Mais attends, regardez-moi les visages. Mais non. Regardez-moi ça. Allez, au revoir.